Aymeric Connery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show. Alors, on va revenir concernant Gilles. Alors après, toi, justement, il y a eu la rencontre, parce que t'as fait aussi des plateaux télé concernant le sport, ouais. Sur iTélé. Je t'ai beaucoup vu sur iTélé. Encore tous les week-ends, ouais. Samedi, dimanche, ouais. Ah, t'es le samedi, ouais, dimanche, ouais, encore. À 23h, ouais, ouais. Et ça se passe bien, ça. T'as pas envie de décoller de cet ADN que t'as par rapport au sport, quoi. Bah, c'est un peu compliqué parce que ça fait un peu des semaines à 7 jours sur 7. Ah, mais ouais. J'écris des bouquins encore sur le sport. Là, j'en prépare un. Ouais. Parce qu'il écrit aussi. J'en prépare un sur un grand joueur de foot. Tiens, je peux même te dire qui c'est. Allez, ce vas-y. Soir. Vas-y. Je prépare un bouquin sur Karim Benzema. Mm-hmm. Ah, exclu. Ouais. Exclu, Rico. Ouais. Alors, c'est un bouquin compliqué parce que c'est une enquête sur lui. Ouais. Et lui est pas tellement, il est pas dans ce délai-là. Lui aurait voulu faire un bouquin plus tard. Donc c'est une enquête journalistique sur lui. D'accord. C'est assez dur à faire et ça sortira avant l'Euro. Ah bah c'est super, ouais. Ça. On va apprendre plein de choses. Alors par contre, c'est une collaboration avec lui. Non, pas c'est du sans tout. Lui. C'est une enquête journalistique. D'accord. Donc c'est vraiment lui. Objectif quoi. C'est ton point de vue à toi, c'est... mais lui il n'est pas mêlé dedans. Oui, alors c'est une bonne question que tu poses. Je pense qu'effectivement on aura un point de vue. Il y a un point de vue quand c'est même. Une enquête, mais on aura notre point de vue. Bah, c'est un peu le principe de Gilles. Il est journaliste sportif sans jamais avoir fait de sport. Et il écrit un bouquin sur Benzema sans jamais l'avoir rencontré. Voilà. C'est un peu sa force. Quoi. Toi, c'est deux, alors j'ai une autre révélation. Vas-y. J'ai été champion de ski de fond. Oh, oui. Ça vous embouche un peu. Mais je souhaite que tu sois au début de l'émission.